André, grosse vache. Là, c'est du punch, vous comprenez, venez, vous enculez tous, apparemment, là, vous baissez comme ça, là. Blim, blim. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour un donjon Mrs Freeze à 8. Alors oui, effectivement j'ai filmé, il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé si j'avais filmé, alors que faut-il savoir dans ce donjon de la Mrs Freeze, en plus avec un joli chat, là vous pouvez voir Focus qui n'était pas forcément évident. Alors il faut savoir qu'on a fait ce donjon en plusieurs tentatives. Alors j'ai pris évidemment ma compo de base, Cryopenny, Panda, Zobal et Nutroph. Évidemment le Lénu en mode retrait PM+. Attention, il y a le SRAM d'Eviron qui m'accompagne, ainsi que le Feka Turn qui m'accompagne. Donc salut à vous. Non je rigole, en fait, ils sont pas du tout avec moi, c'était une petite blague de merde, vous pouvez rigoler. Enfin bref, on était même pas du tout sur Skype, hein, on a fait ça. Bon, c'était une Mrs Freeze, c'était pas non plus un Vortex, voilà. C'était la petite parenthèse. Alors en fait ce qui s'est passé, donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même 8 mobs en face vu qu'on est 8, ça paraît logique. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'en fait il y a tellement de mobs en fait que ils sont obligés, enfin les potes sont obligés justement de les attirer au dessus comme ça. Moi vous pouvez voir en fait que je vais focus la missile tour 4, elle va mourir, donc ça va être la deuxième, enfin ça va être le deuxième mob à mourir. Donc là je lui dis justement de rester en haut comme ça, la missile vient vers nous. Et vous pouvez voir quand même que la Missis a 19 000 points de vie, pas mal de res. Donc là, ce que j'essaie de faire en fait, c'est que j'essaie de focus le verglaceur parce que il est assez chiant quand même. À 8, en fait, ce donjon est pas très dur à partir du moment. Bon, un petit peu comme tous les donjons, je répète un petit peu toujours la même chose, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez les races de base qui sont Yop. Je dirais même Enutroph, hein, bon. Yop, Eni, Panda, Zobal plutôt, et après Enutroph. À partir de ce moment là vous pouvez quasiment gérer presque tous les donjons. Après voilà, ça dépend du level, ça dépend du stuff, ça dépend tout un tas de choses. Sinon est-ce que j'avais déjà fait la Mrs Freeze à 8? Non, mais je l'avais déjà fait à 7. Bon. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait en gros, pour faire une missise même à 5 ou 6, même à 8 ou même à 4, personnellement je vous conseille pas de faire à 4, à 5 toujours minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut toujours quelqu'un en haut qui occupe soit la Mrs Freeze soit les mobs, ou soit, ouais, bon, je dirais que le mieux ça serait on va dire qu'en fait la Mrs tape avec l'érosion, c'est à dire que plus vous avez subi d'érosion dans ce combat et plus elle vous tape fort, donc c'est mieux de la tuer en premier quoi. Donc là hop, je la déloque parce que bon, si vous savez pas, en gros on la déloque quand on la pousse avec les cases, en gros quand on atterrit sur sa ligne ou sur sa diagonale. Donc là ce que je vais faire c'est que j'en profite parce qu'en fait la Mrs Freeze a un sort en diagonale et en ligne qui fait qu'en fait ça vous attire. Donc là, vu que aucun des persos était ni en diagonale ni en ligne, et j'en ai profité pour roxer un maximum parce que en fait ça vous attire et en même temps ça peut vous enlever des PM et les donner à la Mrs Freeze. Donc là ce que je fais, puissance pooch brogle ainsi que double pression. Alors ça c'est hyper important, et encore une fois hein, l'érosion c'est ce qui importe le plus dans Dofus. Donc franchement, bon, à partir du moment où vous avez tué la Missis et que bon, et que vous avez un Enutroph retrait PM, logiquement ça devrait passer. Normalement il n'y a pas trop de problèmes. Donc là ce qui va se passer c'est que ça va être plutôt parfait. Parce qu'en fait le but, voilà. Donc en fait ici, là j'ai poussé Yop parce que de 1 ça rend vulnérable la Missis, et de 2 il est au cac, enfin le Yop est au cac de la Missis. Parce qu'en fait, je vous explique, des fois, en fait, le Yop, en fait, la Mrs Freeze, c'est un tout petit peu comme le Nilesa, en fait, niveau placement. Bon, alors, après, c'est vrai que vous allez me dire, dans tous les donjons, en tout cas, Frigos 3, le placement, c'est hyper important. Bon, sauf que le Nilesa, carrément, ça one-shot, contrairement à la Mrs. Mais bon, Mrs, on se prend énormément
d'érosion. Donc là, vous pouvez voir la Mrs. Bon, je suis en train de la démonter, la pauvre. Bon, voilà, bon, elle est déjà finie, hein. Une petite coco, alors je pouvais taper jusqu'à 5000, tranquille. Donc après, bon, là, il reste que les mobs. Bon, du coup, là, j'ai fait quasiment... Enfin, est-ce que j'ai fait le plus dur? Pas vraiment, il faut quand même faire attention parce que... Parce qu'il faut pas que... On va dire, en fait, il faut attendre que les mobs viennent, sinon... Sinon, c'est un petit peu compliqué, sinon, parce que... Là, vous pouvez voir, en fait, le stalac. En fait, là, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait, je vais essayer de... faire en sorte que je focus un par un les mobs. D'ailleurs, bon, le chat, hein, focus, d'ailleurs focus en anglais si vous ne savez pas. Donc là, bon, j'attends les mobs et puis voilà, hein, c'est pas un donjon très très dur. Alors déjà, il faut savoir que pourquoi est-ce que je fais la missis, parce que vous avez été plutôt nombreux à me demander. Il y a également des personnes qui m'ont demandé le Mercator, et il y a également des sadiques qui m'ont demandé le Protozoaur 8. Alors le prochain donjon à 8 que je vous montrerai. Il y a également, bon, des personnes qui m'ont demandé le Silarg. J'hésite en fait à vous montrer parce que est-ce que je ferai le Protozoaur à 8? Oui, je le ferai vu que c'est l'un des donjons qui m'a été le plus demandé avec la Mrs. Freeze. Le problème c'est qu'en fait le donjon Proto à 8, aïe. À 6 avec ma team, ok, sans problème. À 7 avec le client, ça commence un petit peu à chauffer. À 8, à moins que je recrute un Ekaflip. Non, bah non, pourquoi un Ekaflip au proto? Bon allez, pourquoi pas un Ekaflip? Surtout un Kra qui rocks et qui retire. Même deux Kra. Franchement, ah, j'hésite. Deux Kra, ouais. À moins que je recrute deux Kra qui ont du rocks, qui ont du retrait PM, ça va être assez compliqué. Sinon je pense que le proto à 8 avec 3 cras et une utrophe, hein, et puis ma team, ça doit passer sans aucun souci. Bah bon, a priori si vous êtes un cra et que vous voulez passer le protozoaur, je pourrais vous le faire passer gratuitement ou pas. Pour la vidéo, oui, voilà. Donc n'hésitez pas à MP les cras. Bon alors c'est vrai, bon voilà, il faut être niveau 200, il faut comment dirais-je. Enfin, niveau 100, 200, c'est mieux. Je préférerais 200 que 199 parce qu'on a le doppel et craint, on va dire que pour le proto, c'est hyper bidon. Quoi. Voilà, il va à 8 tranquillou. Enfin, voilà, c'était la petite parenthèse pour le donjon protoseur. Enfin, bref, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura servi, parce que peut-être que vous galérez à faire passer un MC. C'est vraiment pas très dur à partir du moment où vous avez la compo de base. Enfin bref, voilà, c'était Joystick. Je vais vous laisser avec une plutôt bonne musique, et évidemment je mettrai le nom de la musique dans la description. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain ce sera sans doute un Coliseum, et puis je vous dis à demain tout simplement. Ciao les gars. We'll be right back.
Thank you.